Vous venez d'entendre des flûtes à bec. Ce sont des instruments de la famille des bois qui ont la particularité de sonner avec un sifflet. Il y a dans le sifflement humain quelque chose du son de la flûte à bec. Et si je prends seulement la tête de l'instrument, on retrouve cette idée de sifflement. Le sifflet, il est ici, au niveau de la fenêtre de l'instrument. Et si je ferme cette fenêtre, alors là, on n'a plus le son de la flûte à bec. Ce genre d'instrument a été inventé il y a très longtemps. Les premières flûtes que l'on a retrouvées sont fabriquées dans des os de vautours. Elles ont été fabriquées il y a 35 000 ans par des Homo sapiens. Donc c'est un instrument qui a traversé le temps et nous avons aujourd'hui des pièces de jazz qui sont écrites pour notre instrument. Celle qui est médium, ici c'est la flûte alto. Vous avez là une ténor, médium grave. Et la grave, c'est de la petite basse. Et dans notre prochaine pièce, encore plus grave, vous allez découvrir la grande basse. Nous allons vous faire découvrir l'aigu de la famille. Léna va jouer la petite flûte piccolo, qu'on appelle aussi la sopranino. Claire jouera la flûte soprano. Et j'accompagnerai cette pièce avec une flûte alto.